Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je profite donc d'être dans ce moment de nouvelle lune pour vous proposer un petit rituel. Donc, je suis actuellement dans le sud de la France pour une quinzaine de jours encore. Et je voulais en fait voir avec vous un thème assez important qui touche le manque de confiance en soi, qui touche ce dialogue intérieur qu'on peut avoir en fait des pensées où on s'auto-juge, on s'auto-critique, de culpabilité, voilà, dans un dialogue en fait intérieur qu'on a de nos pensées envers nous-mêmes. J'ai ma chienne à côté qui joue avec un autre chien. Donc voilà, donc je vous propose, si vous voulez, ce petit rituel parce que, en fait, tout ça, ce dialogue intérieur qui nous fait manquer de confiance en nous, qui nous auto-juge, qui nous auto-freine, nous transmet en fait une partie inconsciente de nos croyances limitantes, de ce qu'on devrait faire pour être aimé, etc. Voilà, toute cette partie qui nous pourrit un peu la vie. Donc, j'en vois beaucoup en thérapie, j'en vois beaucoup dans les formations et j'ai envie de vous inviter en fait à faire un rituel qui pourrait vous aider en fait avec l'énergie que je vais vous transmettre, avec ces codes de lumière qui vont passer à travers ma voix. À rééquilibrer en fait vos deux polarités, votre polarité yang masculine et votre polarité yin féminine. Pour les équilibrer, il y a évidemment tout un tas de possibilités. Mais là, on va aller faire appel en fait à vos familles, à vos lignées familiales. Et on va commencer par un rituel aujourd'hui qui va toucher le rôle des femmes et qui va donc toucher, que vous soyez un homme ou une femme, sur votre polarité féminine pour plus de paix et plus d'harmonie et pour commencer à offrir à notre polarité masculine plus d'harmonie. Alors, c'est parti. Je vous invite à fermer les yeux. À respirer profondément, vous détendre, accueillir ces codes de lumière qui passent à travers le son de ma voix et les silences. Respirez profondément. Si vous voulez, vous pouvez poser votre attention un coup sur votre droite, que ce soit au niveau du corps ou du cerveau, puis sur votre gauche, que ce soit le corps ou le cerveau, et laissez cette énergie basculer d'un côté comme de l'autre. Vous recevez ces codes de lumière et cette énergie qui va travailler sur vous et vos deux polarités afin de les harmoniser. Je vous invite à inviter autour de vous vos ancêtres. Faire un cercle intérieur avec toutes les femmes de votre famille, que ce soit vos descendants ou votre mère, votre sœur, votre grand-mère, vos grands-mères. Voilà, je vous invite à les réunir tout autour de vous ou entrer dans une ronde avec elle, que vous soyez un homme ou une femme. Je vous invite à respirer profondément et continuer à recevoir ces codes de lumière, de ces présences divines autour de vous. Tout ce cercle de femmes se libère maintenant de toute croyance limitante, du rôle de femme en tant que femme, pour elle-même, pour la famille. Elle se libère de la société. Toutes ces croyances limitantes s'éteignent dans ce faisceau de lumière qui vient du ciel et vous baigne
et baigne votre ronde familiale du cercle de femmes. Respirez profondément. Se libère aussi cette croyance limitante du rôle de la fille ou du garçon vis-à-vis de sa mère. Se libère maintenant le rôle de la mère vis-à-vis de vous. Se libère maintenant votre rôle de père ou de mère vis-à-vis de vos enfants, si vous en avez. Se libère maintenant le rôle vis-à-vis des hommes. Se libère maintenant le rôle vis-à-vis des femmes. Se libère maintenant le rôle en tant que grand-parent, en tant que grand-mère, pour ne laisser place qu'à l'amour, à la reconnaissance mutuelle en tant qu'être. Se libère maintenant les rôles d'arrière-grands-parents pour ne laisser place qu'à l'amour, à l'harmonie. La dissociation se transforme en association amoureuse, harmonieuse, dans la douceur, la bienveillance, le respect et la liberté. La liberté d'être, la liberté de choisir, la liberté de construire. Et toute cette ronde s'entoure maintenant de la ronde des hommes de votre famille, de toutes les générations confondues. Une ronde protectrice, bienveillante, regardant la ronde féminine avec beaucoup d'amour, de respect, de reconnaissance. Toutes ces femmes se retournent vers cette ronde masculine pour les voir avec beaucoup d'amour, de respect et de reconnaissance. Je continue à guider en canalisation et vous allez vous tourner vers votre cœur et chaque être se tourne vers son cœur, vers son intérieur pour dire « je suis ce que je suis ». Je me vois, je te vois. Je suis amour, tu es amour. Dans le respect mutuel, dans ce respect universel. Voilà. Respirez profondément et laissez ces énergies travailler en vous. Il y a une activation au niveau du chakra du cœur, de la gorge. Vous êtes libre, libre d'être vous-même. Vous êtes en train de guérir dans l'amour. Dans la reconnaissance, dans cette joie de vous être enfin retrouvé en vous-même. Et cette joie de la famille
les énergies vont travailler maintenant, votre partie gauche et votre partie droite, de manière à les harmoniser. Voilà. Elles harmonisent votre polarité masculine et féminine de manière à pouvoir rencontrer votre équilibre intérieur de ce couple harmonieux de vos deux polarités. Ressentez cette énergie d'amour bienveillante. Voilà, je vous invite à rester quelques minutes supplémentaires de manière à continuer à accueillir ce soin. Je vous remercie d'y avoir participé et puis je vous dis à bientôt.